Karazi dans les anciens du FC7. Donc Abdel, tout d'abord merci. Et comment vas-tu? Donc je rappelle aux gens que tu t'es fait les ligaments en octobre, c'est ça? C'est ça, le 8 pour être précis. Et tu sortais d'une pubalgie. Oui. Donc manque de chance. Et comment tu vas? Comment se passe ta rééducation? Ben écoute, depuis mon opération le 20 novembre, je suis resté 8 jours à l'hôpital Saint-Jean, à la clinique Saint-Jean exactement. Et après, on m'a dirigé directement à la clinique Sterre, à Saint-Clément-de-Rivière. J'y suis resté 4 semaines. 4 semaines qui sont très très bien passées. Avec une équipe de kinés, de médecins vraiment super compétents. Derrière, j'ai attaqué le kiné depuis 3 semaines chez les kinés du club. Jean-Marc, Christian, tout ça. Là. Et je suis ma rééducation tous les jours. D'accord. Beaucoup te croient au FC7 depuis toujours. Mais tu as commencé à l'AS Saint-Clair. C'est ça. Comme David Darmon qu'on a interviewé hier d'ailleurs. Tu as enchaîné avec le Racing 92. Racing, oui. La Pointe. Mmh. Et tu as atterri au FC7 en junior. Mmh. Et tu as fait pas mal d'années en équipe réserve. Tu n'es pas arrivé tout de suite en équipe première. Ah non, on a mangé le pain dur. Donc c'est vrai que j'ai tapé 6-7 années à 2DH. À l'époque, c'était Patrick Lebeau qui entraînait l'équipe réserve. Ensuite, Laurent, Gilles. J'ai fait 6-7 ans. Et un jour, en CFA, en national, c'était Laurent Scala qui avait pris l'équipe nationale. Il manquait un défenseur central. Je jouais 6 à la base. Il m'a pris pour faire un essai, un match amical contre Libourne Saint-Seurin à l'époque. Et depuis, il m'a pu m'agarder et j'ai intégré le groupe national et j'y suis plus redescendu. Tu es un milieu récupérateur à l'origine, à la base, oui. D'accord. 6. Ensuite, il y a Claude Galabuy qui est arrivé. Il t'a laissé à ce poste. Oui. Et ensuite, la carrière d'Abdel Karazi au FC7 a été lancée. Oui. C'était pas évident à la base parce que bon, chaque année, que ce soit Claude ou les autres coachs, je recrutais quand même les joueurs confirmés. Moi, j'étais inconnu. Bon après ils m'ont fait confiance quand même, tu vois, donc c'est pas évident quand on est de 7, on vous fera confiance, mais c'est très difficile de s'imposer. Donc après j'ai eu la confiance autour de Christophe, Georges Moreau, Olivier Labruna, Seb Gervais, Olivier Calabic par la suite. Et ces jeunes d'expérience m'ont donné un petit peu de conseils. Et après bon, une fois que tu joues avec eux, C'est lancé après. Quand on parle de Abdel Karazi, on a toujours en image le jeu de tête, les coups de boule, les buts décisifs, les dégagements. Oui. Moi, j'ai une image de toi qui m'a marqué. Oui. C'est dans le coin gauche du terrain, en mai 2005, vous affrontez Libourne, justement, tu en as parlé tout à l'heure. Tu fais, toi qui fais très rarement des frappes de loin, oui. Tu envoies un missile sur la transversale. Je me rappelle. Juste après, je crois, quelques secondes, quelques minutes après, coup de sifflet final, tu te jettes par terre de déception. Eh oui. Parce que tu crois que vous ne montez pas, vous n'accédez pas à la Ligue 2. Ouais. Le speaker Christian Parato fait une erreur. Tu t'en rappelles de tout ça? Eh oui, je me rappelle. Qui annonce que c'est fini à Sanois alors que c'est pas le cas. Oh ouais. Et finalement, c'est l'explosion, c'est confirmé quelques minutes après, vous montez en Ligue 2. Tu gardes quoi de cette saison comme souvenir? C'est une saison exceptionnelle à tous les niveaux. Au niveau humainement, sportivement, ce qu'on a donné aux jeunes de 7. Retrouver le milieu pro, pour nous c'était la Ligue des Champions, ne serait-ce que la Ligue 2. Après, bon, on est monté, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, on est retombé dans l'anonymat du football. Ce qui se passe cette année, pour moi, même si je le vis de l'extérieur, en même temps de l'extérieur et de l'intérieur, parce que bon, je continue à être proche des joueurs, des coachs. Moi je pense que c'est très 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 bien ce qu'ils font. Retrouver dans un premier temps la CFA, parce que comme dit le coach, comme dit tous les joueurs, le championnat c'est le pain quotidien. Le minimum à 7 c'est le CFA. Après ce qui se passe de la coupe, c'est du bonus. Pour moi c'est du bonus, c'est la cerise sur le gâteau. Donc aller le plus loin possible, ça, pour 7, pour le public, c'est exceptionnel. Je me souviens lors de la saison de Ligue 2, oui. Il y a eu un assez bel article sur toi dans le Midi Libre où tu proposais tes services à la sélection marocaine. Oui. Philippe Troussier était le sélectionneur.
il avait pris à l'époque ton coéquipier Abdelhakar Bouchi dans l'équipe. Est-ce que tu en gardes un regret de ne serait-ce avoir connu une seule sélection avec les Lions de l'Atlas? N'importe quel joueur de n'importe quelle nationalité aspire un jour à être sélectionné dans son propre pays. Maintenant, moi, il y a eu juste des petites touches. C'est pas aller beaucoup plus loin parce qu'il y avait des joueurs confirmés à l'époque. Ouadou, El Karkouri qui jouait au PSG. Karagi, il jouait cassette. Hein. Donc j'ai approché, mais c'est déjà bien d'avoir approché la sélection. Après, bon, je ne regrette rien du tout. Hein. Ça s'est pas fait. Alors, on peut parler peut-être d'un sujet qui fâche. Tu es blessé, tu es en rééducation. Oui. Est-ce que cette blessure, elle annonce la fin de ta carrière? Ou est-ce que tu penses poursuivre? Et si tu poursuis, est-ce que tu penses poursuivre avec l'équipe première ou en réserve? Mais pour être honnête, moi, je me suis blessé, ça fait maintenant, je te dis, depuis le 8 octobre. Je me suis fait opérer. Je prends la vie comme elle est. Je me suis blessé, je ne me suis pas coupé la jambe. Je me suis fait opérer par un bon chirurgien. Je fais tout pour revenir. Tu vis bien cette période, quoi. Voilà, c'est pas pareil. Je me blesse à 20 ans. Tu commences à 20 ans, tu es plus jeune, tu es plus fou. Hein, tu as 37 ans. Je le prends plus ou moins bien. Et si je dois arrêter, ben j'arrêterai. Mais moi, en tout cas, dans ma perspective, dans ma façon de gérer les choses, j'ai pour but de faire une bonne rééducation et d'attaquer. Maintenant, moi, je suis au service du club. Le service du club, c'est-à-dire, ils ont besoin de moi pour la première, je suis là. Et s'il faut encadrer les jeunes de la réserve, je suis là. Donc après, je ne me prends pas la tête. Ok. Cara, je vais te parler comme je fais avec tous les autres anciens. Je vais te donner trois noms d'anciens partenaires au FC 7 et tu vas me donner ton avis sur eux. Alors, tout d'abord, Zico Tumba. Oh, Zico Tumba. Année 2004-2005. Voilà, monté. Un Golgoth. Le bison, moi je l'appelais bison. Un Golgoth. Donc, c'est vrai que bon, il est resté qu'une année chez nous. Il nous a apporté son expérience de. Il nous a aidé à monter quand même, parce qu'il avait joué quand même en première division hollandaise, si je me souviens bien. Et à Metz aussi avec les Pirates et tout, Metz, il avait débuté à Metz. Époque. Donc il est venu une année, mais on a beaucoup appris de lui. Humainement, sportivement, il était très 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 bien. Il avait vécu même au niveau sélection, je crois qu'il était. Je ne me rappelle plus sa nationalité, mais en tout cas il nous a beaucoup apporté. Un Zaïrois. Son père avait fait la Coupe du Monde. Oui, Zico Tumba, donc non, très bon souvenir. Très bon. Il s'est évaporé, et plus de nouvelles. D'accord. Un bon pote à toi, je pense, Sébastien Saez. Sébastien Saez. C'est mon ami, ouais. On a été à l'école ensemble, lycée, tout ça, donc on a joué ensemble aussi. Et après, bon, ouais, c'est un gars que j'apprécie très 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 bien. On garde contact régulièrement par téléphone. Parce que maintenant, on n'a plus 20 ans, chacun a sa vie de famille, son travail. On est plus ou moins occupé. Mais le téléphone, des fois, on le fait encore fonctionner. Et comme j'ai demandé à Lolo Serrano aussi hier, Marc Ferdel. Marc Ferdel, comment tu veux le définir, c'est mon frère. C'est mon ami, mon frère. On a passé les vacances, quoi. Il m'a invité chez lui à Berlin. Au mois de septembre, bon, mon anniversaire. J'ai fêté mon anniversaire là-bas, donc moi je n'ai pas l'habitude à faire la fête ou quoi. Donc c'était un petit restaurant tranquille, tu vois, avec sa femme. Et ouais, c'est lui, je le définis, c'est vraiment quelqu'un de humble à tous les niveaux, il est simple. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a gardé contact. Ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît. Il m'a invité à son mariage, je connais sa famille, lui connaît la mienne. On verra après sa carrière qu'il a faite. Grand mérite parce qu'il était parti de rien lui aussi. Hein, il était passé par Mulhouse, par Bâle, le FC Bâle en Suisse. À 3, donc il a galéré, que tu le veuilles ou pas. Il est venu une année à 7, il a explosé, il est parti en Italie en D2. Tu aurais cru qu'un an ou deux après il allait marquer un but à Buffon, il aurait joué contre Trezeguet, Shevchenko. Je me suis dit, il est parti là-bas. Il va faire que comme tous les autres, il va faire une année ou deux. Voilà, mentalement il était rodé et crois-moi, moi j'ai le souvenir, la première année où il était parti en Italie, c'était l'année la plus difficile. Hein. S'adapter en Italie, c'était vraiment compliqué. Il m'appelait, il était vraiment au bord de la rupture, il allait repartir. Parce que personne ne lui fait de cadeau, il ne parlait pas la langue, il ne connaissait personne. Il arrivait de l'échelon d'en dessous. Quoi. Donc ce qu'il a aujourd'hui, personne ne lui a fait de cadeau.
suis content, c'est très 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 content d'avoir un ami comme ça. Abdel, dernière question, si on t'avait dit 20 ans en arrière, oui, que tu aurais fait cette belle carrière, oui, tu aurais dit quoi? Je t'aurais dit... Tu aurais cru? Pour moi c'était un rêve, c'était réalisé, jouer dans ma ville, national, mais rien que le fait de jouer en national, pour moi c'était exceptionnel. Quel est le joueur d'ailleurs qui t'a le plus marqué que tu as affronté? Pour moi? Ouais. Ribéry. Ribéry, avec Brest. Tu sais, avec Brest, je l'ai joué ici, je l'ai joué là-bas, on essayait de le rattraper. Voilà, on essayait de le rattraper, mais c'était une mobilette. Trafiquer ce que tu veux, mais c'était une mobilette, il allait trop vite. Donc après, j'ai eu plein de joueurs au marquage très très bons. Mais Ribéry, ce qu'il est aujourd'hui, il est au Bayern de Munich, il n'est pas... Hein? Donc ouais, c'est vrai que Ribéry, très très bon. Ton pire souvenir au FC7? Mon pire souvenir? Non, j'ai pas de pire souvenir. Même la rétrogradation en 2009? Ah oui, au niveau sportif ou... Niveau sportif, ah, sportif, oui, 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 niveau sportif, oui, oui, oui. C'est vrai que... La saison de Ligue 2 a été marquée par la descente, ça m'a touché, bon, sportivement, mais ce qui m'a fait vraiment mal, c'est l'année de la quand on était rétrogradé judiciairement de National, de National à CF, à DH. DH. Crois-moi, là, j'ai le souvenir, tous les joueurs, que tu le veuilles ou pas, moi je te le dis, je suis franc, tous les joueurs, à partir du moment où il n'y a plus eu les moyens, ils ont mis les voiles, ils sont partis. Qui c'est qui est resté? Christophe Rouve et moi-même. Donc après on a recruté un peu, on a fait local, on a fait avec les moyens du bord pendant une année ou deux, on a raté la montée, voilà, donc et après Laurent Scala est venu, il a pris les rênes et ça, vous voyez le club ce qu'il est devenu. Donc après il y a Jean-Marie qui est arrivé, bon l'Amérique il lâche pas aussi, faut pas oublier l'Amérique hein, parce que tu l'as vu ou pas, on vit aujourd'hui grâce à l'Amérique, c'est le premier sponsor du club. Donc on est chanceux quand même, tu vois, donc bah, j'ai des joueurs moi encore aujourd'hui, ils m'appellent et ils me disent... je vais pas te dire les équipes, mais bon, ils ont du mal à se faire payer. Nous, tous les mois, on arrive, blessé, pas blessé, on prend notre chèque. Je dis, on est un privilégié. Donc après, moi, ce que j'espère aujourd'hui, c'est vite retrouver, quoi, pour l'équipe, hein, pour la ville, pour le club, pour tout le monde, le minimum, c'est CFA. Après, s'il faut pas ça, commencer à dire la Nationale, la Ligue 2, mais dans un premier temps... Palier par palier. Pas brûler les étapes. Si dans un premier temps, on retrouve la CFA, on stabilise... avec la qualité de joueurs, parce qu'on a des joueurs qui ont 25-26 ans, ils vont avoir de l'expérience au fur et à mesure, et je pense qu'ils seront prêts pour jouer une éventuelle montée dans 2-3 ans, si par chance, parce que la montée en CFA2, tout le monde en parle, dans CFA, on n'y est pas encore, on n'a qu'à la moitié, on a gagné la première moitié, il en reste une autre, et je pense, j'ai confiance à mes partenaires, pas de raison. Et il n'y a pas de souci, j'espère bien qu'en mai, on chantera ici. C'est avec nous. Abdel, un grand merci pour ta sympathie et pour cet entretien. C'est un grand plaisir pour moi, tu le sais, c'est avec plaisir. Merci. Et bonne continuation pour la vie. Un grand merci, Abdel.